Elle va entrer dans une minute, vous sourire, vous embrasser et prenez garde, tout va devenir normal. Beaucoup trop normal. Autour du cocu, la vie se fait bizarre, les coïncidences et coups du sort se mettent à abonder plus que dans n'importe quelle autre vie, seulement les lettres qui n'arrivent pas ou qui arrivent trop vite, les téléphones qui sonnent et il n'y a personne au bout du fil, les objets inconnus la veille qui traînent sur les commodes, les amis qu'on n'avait pas revus depuis 10 ans et qui vous retiennent tout l'après-midi, tout ce qui dans la vie ordinaire garde un certain mystère, tout ce qui ne s'explique pas va devenir absolument clair. Tout, vous entendez tout, va vous être expliqué avec une rigueur scientifique, mathématique, policière. Et vous pourrez vous épuiser, tous les alibis seront exacts, abominablement exacts, vous êtes pris maintenant. La vie, l'honnête vie, était raisonnablement mystérieuse. Dorénavant, elle va avoir insolitement réponse à tous mes attentions. Toutes ces réponses seront de questions nouvelles pour vous. Vous êtes pris comme un rat, il va falloir danser la danse. L'employé du gaz, qui sonne trop tôt le matin. Ce ne sera plus un simple employé du gaz, ce sera une question. Le nouveau chapeau qu'elle aura acheté la veille, ce sera une question. Une chanson sur sa bouche, une question. Son silence, la couleur de son rouge à lèvres, une autre question. Et les questions, c'est un collier de perles, ça s'enfile, ça se déboîte les unes des autres à l'infini comme les petites fleurs japonaises. Il n'y a plus aucune raison de s'arrêter, vous allez devenir une question vivante sur deux pattes. Un gros point d'interrogation qui bourdonne et se pose partout. Et quand vous aurez fini de la questionner, elle, ce ne sera pas fini, vous vous questionnerez vous-même. Vous douterez de tout. Vous finirez par croire, vous aussi, que vous avez peut-être tout inventé jusqu'au jour. Au jour du grand gala, inévitable, où vous en arriverez à vous demander tout seul, devant votre glace, comme un imbécile, si au fond tout ça n'est pas votre faute, et si vous ne l'avez pas voulu, vous serez mûr ce jour-là. Un vrai cocu. Pas un petit mot à y tromper de rien du tout, non. Et ce qui aura pu se passer ou non entre les jambes de Madame Colombe, ce ne sera plus qu'un détail. C'est un vrai rôle. Tout en nuance, le cocu. Il y a tout un rituel, toute une danse, un pas en avant, un pas en arrière, pirouette, un temps de repos pour mieux repartir. Un pas en avant, un pas en arrière, pirouette. Il ne faut pas croire. C'est tout un métier à centrer dans la